L'orchestre de chambre du conservatoire du Sichuan de la Chine a émerveillé l'assistance lors d'un concert de musique classique et folklorique de l'Empire du Milieu livré au siège de l'Académie du Royaume du Maroc à l'occasion de la 46e session organisée sur l'Asie comme horizon de pensée, expérience et modernisation et de développement à travers trois séquences, la Chine, l'Inde et le Japon. Dirigé par le bassoniste Shibin Song, l'orchestre de Sichuan a réussi un exercice virtuose d'instruments symphoniques avec les mélodies d'une série de compositions puisées dans des répertoires musicaux classiques et un florilège de morceaux comme The White-Haired Girl, Happy Saliha, Friendship Forever ou encore La Cheminée du Roi. Nous avons sélectionné plusieurs morceaux, prenant en considération les goûts de l'auditoire. Cette musique n'est pas destinée seulement pour le public chinois, mais pour tous les mélomanes à travers le monde, en intégrant des morceaux musicaux italiens, allemands ou encore français. Aidé par une acoustique séduisante, l'orchestre de Sichuan a parcouru un vaste répertoire et a tenté de redonner de l'entrain à l'auditoire en maniant des instruments emblématiques de la musique classique tels que le violon, l'alto, le violoncelle, la flûte, la clarinette et le basson. Faisant partie de la première séquence de la session du 9 et 10 décembre de la 46e session organisée par l'Académie du Royaume du Maroc, ce concert fait valoir la culture de musique classique de la Chine et promeut un échange culturel musical avec un public amateur de ce genre musical et à la recherche implacable de qualité artistique.